Bienvenue en Afrique les gars, le seul continent où pour être un footballeur de taille, tu dois être aussi danseuse professionnelle de ballet. 14. En plus d'être danseuse, tu dois être aussi capable de faire des saltos. Mais qu'est-ce qui se passe ici? On peut clairement voir que l'arbitre est sous l'effet intense de la ***. Ne fumez pas la d*** les petits. 13. Règle numéro 1. Quand tu veux jouer sur ces genres de terrain en Afrique, tes jambes doivent être fermées à chaque moment. Sinon, tu vas le regretter. 12. Mesdames et messieurs, je vous présente le geste technique le plus inutile de la planète Terre. Mon frère vient de faire le plus grand sombrero que j'ai jamais vu juste pour se retrouver à la case de départ. Peut-être c'est la poussière sur le terrain qui l'a rendu aveugle. 11. Dites-moi si je mens les gars, les Africains sont les êtres humains les plus drôles de la planète Terre. Dites-moi, qui joue au foot comme ça? Non, qui joue au foot comme ça? 9. D'abord, il danse devant toi comme un Congolais et il fait le robot. Mais il est où le respect? Ouais ça. Je vous ai prévenu les gars, il faut pas écarter ses jambes, surtout dans la boue. Ça glisse très fort. 7. Je vais vous donner le secret. Sur un terrain d'Afrique, quand tu vois un mec porter un maillot d'Arsenal, fouille. C'est tout. Voilà le secret. C'est tout. Maillot d'Arsenal. 6. Méfiez-vous des mecs qui portent le maillot d'Arsenal, mais aussi tout ce qui y ressemble. Maillot rouge et blanc, c'est un problème en Afrique. Ils sont très dangereux. Ils vont vous malmener jusqu'en Asie. 5. Comme je vous l'avais déjà dit, pendant ces matchs, on s'en fout du résultat. On s'en fout des buts, on veut voir des grimaces, on veut voir des saltos, on veut voir des passements de jambes et on veut voir des ailes de pigeon. Et le public adore ça. 4. Je connais pas ce mec personnellement, mais je pense que c'est un tricheur. Hein? Il est plus gros et plus costaud que les autres. Va chercher des mecs de ta propre taille, mon frère. 3. Imaginez un seul moment que vous êtes habillé en uniforme, serein. Vous allez sur un terrain et votre adversaire vous humilie de la sorte deux fois de suite. Devant votre petit ami, votre beau-père et vos oncles. Je prends ma retraite sur le champ. 2. C'est fini les gars, tout part en c***. Maintenant, ils ne le font plus à un. Ils ont même inventé des chorégraphies pour leurs gestes techniques. Il y a carrément d'autres qui te montrent leurs fesses noires à la place de leur adversaire. Je me demande, est-ce que ceci c'est un match de foot ou suis-je dans un film pornographique? 1. Le mec en bleu, il s'est carrément trompé de carrière. Tu n'es pas un footballeur, mon frère. Tu aurais dû être un danseur breakdance pour Chris Brown.